Et le keuf il le court à pied, mon gars. Ah, c'est chaud. Pas on dirait Bambin. Je sais pas comment il a fait. Première partie des pièces qu'on a commandées pour notre fameuse derby. Ok, ouais, cool. Donc bah, on va commencer, mais il y aura plein d'autres colis. Hein. Vas-y, lourd, hop. Premier carton. Pas plastique, gars. Ah, ça c'est cool. Là, c'est les polis. Ouais. C'est quoi, c'est du YCF? Ouais, je pense. Hein. Mmh. Bon, en tout cas, c'est écrit dessus. Okay. Bon, alors bah, première pièce, la plaque numéro de devant. Donc, on a, comme prévu, hein, on a décidé de la faire sur fond blanc avec un kit déco après. Ouais. Donc, là, c'est la plaque numéro. Yeah, cool. Le garde-boue avant. Ouais. Les bas de fourche. Ouais. Et c'est quoi ça? Ça, c'est étrier de frein radial. Ah ouais, t'as fait plaisir quand même, non? Ah ouais, t'as fait plaisir. Ouais, c'est pas un truc de R1 ça? Non, c'est pas. Toujours plus, avec la pâte de déport pour mettre un gros disque. Ah, c'est radial. De toute façon, pourquoi tu l'enlèves, freiner ce projet? Mais je pense que je vais mettre un disque. Il y aura un disque encore plus grand. Voilà. Pour que ça traîne. Pour que ça traîne. Lors de train, je vais pas utiliser souvent celui-là. Un max de roue, oh, magnifique. Max de roue avant. Plaqué en famille. Alors là, il y a de la question. Et là, les gars, vous allez voir. Là, on attaque le lourd. Ça, ça a l'air excitant. Il y aura sûrement de la modif à faire. Il est où, mon tuteur? Allez hop, tuteur. On va niquer sa race. Ah, on va venir faire un coup sur le truc. Anodisation. Ah ouais. C'est joli, hein. Attends. Ah, le mec, c'est un danger. Au moins, le truc, il est bien emballé. Ah ouais. Là, il a fait le déballé, surtout. Chez YCF, ils assurent sur l'emballage. Ah ouais. Tiens. Je crois que la dernière fois que j'ai vu un emballage comme ça, j'étais chez SF. Ah ouais. Allez, là, les gars, ça va assurer. La derbouze va avoir du matos. Et il y aura sûrement de la modif à faire pour l'adapter sur le châssis, mais bon. Certainement qu'on peut adapter les groupes et faire. C'est monté là, c'est compliqué, mais on va faire d'autres modifs. Donc là, ça, voilà. Et là, il n'y a plus rien. Ça pèse 20. En vrai, ça pèse 20. Ça pèse un peu, mais là, il y a le rond. Ça pèse quand même pas grand chose. Bon, ça c'est bon. Allez, hop là. La suite. Attends, t'as quoi là? Et eh bah ben, ça, c'est ce qui va avec. Merde. Ça, c'est ce qui va avec. C'est la fourche NJ de Biggie, c'est-à-dire les grandes fourches pour les. Pour les gros les... Non, pas pour les gros. La nouvelle YCF à grand gros. Jean-Boug, un humoriste. Il est où Tupac? Là, il y a là. Là, la fourche Biggie avec Tupac. Là, c'est du lourd. Gravé au laser. Là, c'est du lourd parce que j'ai pris la hauteur. Ah, c'est grand en fait, t'as raison. D'ailleurs, l'autocollant, il tient pas. Tiens. Ça, c'est bon. C'est du haut de gamme. On va l'en dire. L'autocollant, tu vois. Et c'est une... Il est pré-collé au cas où tu veux. Pas terrible. Pas terrible. Et elle est réglable. Elle est réglable, compression, détente, la totale. Et en rouge, je ne sais pas. Là, non, mais c'est pas le. Et là. J'avoue. Okay. C'est la même qu'on a sur le petit. Sur la petite. C'est la même qu'on a sur le petit. Super motard, mais en plus grand. Non, ça se fait pas en rouge. Ah, parce que t'as, vous avez. Putain, c'est top. Fais gaffe, t'as des. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais. Du coup, vous n'avez pas vu une Biggie en là. Moi, je suis allé sur la Biggie, elle fait un 80. Et là, là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Là, comme prévu, on était. La société qui. Mais bon, pas la facture, s'il te plaît. C'est la garantie. Ça, vous allez voir, c'est une paire de roues qu'on a fait faire chez notre partenaire Faba. Elles sont garanties 4 ans, les gars. Ouais, tu peux les payer, ma gueule. Ça, c'est pas mal pour moi, ça. C'est garanti 4 ans contre les défauts, évidemment. On peut faire une extension. Allez, on commence par la roue arrière. 3,50 par 17, tu blesses. Attends, mets-moi un petit carton. 3,50 17, tu blesses. Monté sur des moyeux de feedback CNC et ça, c'est pas du Made in China. Mais tu mets quoi comme taille là-dessus? Et ben la même taille que l'origine, sauf que moi je vais légèrement réduire pour gagner du poids et en gamme de pneus haut de gamme. Donc ça c'est chelou, regarde. Il y a carrément des cigarettes gravées à l'intérieur. Ouais, parce que c'est la bande caoutchoutée spéciale tubeless qui permet l'étanchéité des têtes de rayon en alu. Des gros rayons de plus de 3,5 mm d'épaisseur. Ça, c'est de la roue. Et là, ça se heurte.
1,57. Même montage, tubeless. Et ça, on a prévu dans pas longtemps de faire un kit complet qui se monte direct sur les derbys. Voilà. Et là-dessus, on peut adapter donc évidemment des disques de, et des couronnes de pit bike. On ne peut pas mettre trop chaud. On va faire un kit qui, on l'espère, hein, ça pourra aller bien avec nos clients. Bon, donc ça déjà, on va commencer là-dessus et on va mettre des bons pneus. Sûrement une nouveauté qui arrive sur le marché, mais je dirai ça plus tard. C'est bien, ouais. Ouais, c'est pas très lourd, j'ai pas pesé encore. Non, je vais la prendre en main, Kiki, pour une lendemain, ça va. Non, et surtout, c'est... J'adore le gravage à l'intérieur, c'est trop stylé. Super qualité. Bon les gars, il n'y a plus qu'à attendre les prochains colis et on va peut-être commencer à voir si ça se monte. On va voir, commence quand ? Ok la famille, ouais, dès que je peux, quand vous me lâchez un peu. Ok. Ouais, donc comme vous avez pu voir dans cet épisode, bah du coup on remonte une moto spécifiquement pour ça, donc je suis plutôt content que Pascal m'ait apporté ce projet parce que bah, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Maintenant on va apporter quelque chose de nouveau, on voulait se rapprocher de nos clients en ayant une machine sur laquelle ils puissent s'identifier malgré que ça reste une machine sortie du scoop face garage, donc effectivement une machine d'exception. On est tous impatients de travailler là-dessus. Maintenant, effectivement, le petit détail qui tue, bah, c'est qu'on a commandé pas mal de pièces, comme vous avez pu voir. On a acheté une mécane, sauf qu'on n'en a pas du tout parlé au budget au niveau de la compta. Donc là, à voir. Salut Joël, je peux te parler? T'as 2 minutes? Oui, bien sûr. Ouais. Il faudrait que je te parle du projet de la Wheelie Bike. On a un nouveau truc avec Pascal et Salah. Oui. De monter une nouvelle moto. Donc j'ai besoin de parler budget et sous avec toi. Ok. Ça va pas être aussi cher qu'une moto de course quand même. Oh, on va s'en approcher, mais bon, après, on va essayer de faire avec ce que tu nous donnes, quoi. Ok. Il te faut combien alors? J'estime entre 4 et 5 000. Ah ouais, quand même. Mais pense que la moto, on l'a pas payée, hein. Ah bah heureusement hein. Bon 4000 hein, pas plus. Allez, on se tape sur 5000. Ah non. C'est 4000 et pas un euro de plus. 4000. Bon bah écoute, ouais, on va faire avec quoi, mais je te garantis rien. Allez, entrez, bande de bolos. Oh. Ah, tu veux rentrer, ouais, merci. Bon, après tous les montages qu'on a fait, les modifs, on a fait plein de ça en noir métallisé vernis. Yes, voilà. Cool. Bon, voilà. Les petites modifs, je vous les rappelle, c'est on a supprimé la repose passager. Ouais. On a découpé ici pour passer un carburateur jusqu'à 36 mm, mais en dessous c'est renforcé, voire plus. Donc ça risquera pas de casser. Ok. Voilà. La colonne de direction a été modifiée pour mettre les roulements qui sont livrés avec le tête fourche YCF. Ouais, grosse galère. Donc, il a fallu faire des bagues. Voilà. Petite astuce pour ceux qui repeignent leur cadre. À cet endroit-là, on a mis un petit bout de papier avant la peinture. Comme ça, vous conservez le numéro de châssis d'origine. Voilà. Ensuite, les pattes de fixation ici ont été coupées. Parce qu'on va mettre des radiateurs en alu à les monter sur scie en bloc. Ok, impeccable. Voilà, donc le bras il a été. Ouais, pareil. On reste sur un type de couleur origine quoi. Ouais. Ok, cool. Le bras oscillant, il y a quelques pattes de coupé. N'oubliez pas de graisser au remontage les entretoises du bras oscillant. Là on a mis un patin tout neuf parce qu'il était usé. Ok. Voilà, là on part sur une bonne base et maintenant il va falloir remonter la machine. Ok. Avec les surprises. Ouais, ça va, il a fait un putain de bon boulot le mec. C'est vraiment un niveau de la couleur, ça pourrait être pire, mais en général les peintes c'est pire, mais là ça va.